Précédemment dans Alan Wake. Je suis traqué par la police. Shérif, je suis en train de poursuivre Wake. Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée. Mais c'est faux. On n'a pas sa femme! On sait même pas où elle est! L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. Alan. Chut, bébé. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Non, vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alan. Laissez-vous aller. Je me sentais sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. Il n'y avait là que des feuilles vierges, aucune page de manuscrit. La porte était verrouillée, j'étais retenu prisonnier. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur! Bon, et si vous veniez avec moi? Je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui? Ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle.
À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais. Des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant, vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyez en moi un ennemi. C'est dû à la maladie. Je le laissais parler. Hartman aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison.
Venez, allons à l'intérieur. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Peur, peur, peur. Emerson. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur. Mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson. Ok, ok. Désolé, désolé, désolé. Bouh. C'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquences, mais ça nécessite néanmoins une once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. La 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 la. Bien, vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Approche. Oh, et quelle tempête! J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80, les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme. Non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Oh. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Valala! T'as écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Je reprenais mes esprits, où, du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Pour l'électricité, il vérifie que tout va bien. Ouais, heureusement qu'il n'est pas du genre à paniquer pour rien. Bah, c'est le patron. J'aurais peut-être besoin de toi plus tard, Birch. L'orage risque d'énerver tu sais qui, tu sais l'effet que ça leur fait. Quelque chose ne va pas.
Ça marche. Je ne suis plus moi-même. Le docteur m'a demandé. J'ai du mal à penser. Préviens-moi. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait. Et l'histoire deviendra réalité. Hey, Wick! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman? La machine à écrire est dans votre chambre. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme! Posez ça! Capital à Birch! J'ai besoin d'aide! Hey, Wake! Restez ici, je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. D'où est-ce qu'il sort ce foutu marteau? Oh, mais... J'en ai marre, viens par ici traiter du grand Mjolnir, traîneur! On a perdu des méchants frères? On a repris du poil de la bête, hein? On dirait que les choses se précipitent! Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Tu pourras pas y échapper, Bert! Le moment est venu pour toi de payer! Barry? Enfin! C'est pas trop tôt! Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. C'est juste à côté. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle! Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce Hartman, que... la ferme! Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Ah, Al, et si on... Bouge! Wake, écoutez-moi, vous faites une erreur. Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux, avec votre talent et ma... Thank you.
Olivier! J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée! Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas! Marie, j'ai pas de lampe! Prends ça, Al! Bon sang! Regarde la maison, Al! Calme et détendu toute la journée. Oh,
Vivant! Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux ouvrir la porte? Peut-être. En fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on dirait que c'est pas vraiment la bonne clé, alors... Thank you.
6 mois qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortais là un truc comme ça. Tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. J'avais perdu mon arme dans l'accident. Barry était introuvable. Barry! Barry! Oh, merci! T'es sain et sauf! Ça fait plaisir d'entendre ta voix! J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré! Oh, tu parles d'une chute! T'inquiète! Ton double en carton est intact! On s'en fiche! Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons, même pas une égratignure. Mais tu pourras pas descendre, la falaise est à pic. Ah, Al, y'a un truc qui bouge par ici. Barry, c'est un possédé. Prends un feu à main, Barry. Oh, ouais. Barry, tout va bien? Ça va, Al. Ça baigne. Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New-Yorkais, celui-là, hein. Il va falloir que tu te débrouilles pour trouver la ferme, Al. Je t'attendrai. Barry, attends-moi une seconde, d'accord? Al, je reste pas là. C'est du suicide. Je vais à la ferme. J'en profiterai pour sécuriser la zone. Tu me rattraperas. T'en fais pas, mon vieux. Je m'en occupe. Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Barry.
fallait une source de lumière pour le détruire. J'espérais trouver un générateur en état de marche afin de pouvoir alimenter les vieilles lumières près de la porte. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Une voiture s'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts.
J'essaie de replacer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Non, je l'ai pas vu. Un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Y a quelqu'un? Ah Barry! Ah non! Danny! Vous n'êtes pas! Pitié! Qu'est-ce que... Non, pas ça! Je suis désolé! Pousse. Je vous connais. Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. J'ai perdu mon pote Dali. Je l'ai perdu. Il lui est arrivé un truc. C'est plus le même. Comme dans la suite ratée d'un très bon film, dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Mais qui a écrit cette connerie d'ailleurs? J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes.
J'ai pris un risque terrible, et c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi. Laissez-moi dîner. Tanir. La porte de devant était fermée. Une voiture. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. C'est bon, on a trouvé. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulais d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry... C'était Barry. Je savais que les frères avaient été des sortes de stars du rock, mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience.
Ah ouais, ouais, oui. Ils arrivent! Ils sont trop nombreux! C'est dingue! Je suis content que tu aies décidé de la jouer solo, Charles Bronson! Tais-toi et tire! Attends, je vais charger moi. Ouais, j'ai rien ramassé là. Je suis content que tu aies décidé de la jouer solo, Charles Bronson. Tais-toi et tire. Al, on doit les faire dégarpir. Faut lancer toute son artillerie d'ici et t'aider. Thank you.
presque terminé cette manche là. White Falls, capitale américaine du rock'n'roll. Hey, Al! La ferme, c'est par là! Tu vois l'écrivain? Y a pas d'inquiétude à avoir. Ton double en carton est intact, pile là où je l'ai laissé. J'en viendrai le chercher quand l'endroit sera sécurisé. Okay, ok. Ouais, c'est vrai que ça m'inquiétait au plus haut point. On va avoir besoin de déplacer ce truc pour continuer. Je suis arrivé jusqu'ici avant de me faire piéger. Regarde un peu ça, Al. Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux, tu crois pas? Regarde-moi tout ça. Il devait se faire pas mal de fric. Alors pourquoi j'avais jamais entendu parler de ces types? Et c'est un type qui a découvert Ozzy Osbourne grâce à la télé-réalité qui dit ça. On passe tous entiers de zone nos rêves X. Dans les doigts. Eh ben ça me rappelle des souvenirs. Eh, hey, tu te souviens quand j'ai réussi à t'avoir ce job? Mais les rêves sont tout premier boulot d'écrivain, c'est lui qui t'a lancé. Tiens, des épisodes. Dans la zone. L'épisode de ce soir, le rêve ultime. Oh, quelqu'un. Voici Monsieur Jones qui explore le paysage infini de ses rêves et se retrouve soudainement arrêté par une situation parfaitement banale. Une longue file de personnes. Hey, Jones, c'est ça. Écoutez, on va devoir attendre jusqu'à ce que Sa Majesté la reçoive. Absolument tout. De tout ça. Mais attendez, non. C'est moi qui suis en train de rêver. Je suis endormi. On n'est pas dans mon rêve. Ah ouais, c'est ça. Réveillez-vous, mec. Vous n'êtes qu'un autre rêve. Je suis un rêve. Le bateau viking était imposant, à la manière d'un gros bélier. Bien joué, Al! Il y a tout ça. Ça veut dire qu'on le rentre.
Attends, c'est pas où là, moi je crois. Là, toi, oh. Waouh! Ces types étaient super productifs. Tu sais quoi, Al? Si on s'en sort vivant, je vais carrément devenir leur manager. Ouais! Je vendrais ça en ligne, je lancerai peut-être un reality show, ou alors sortir un nouveau single. Fais gaffe, Al! Les gosses, oui, ça va. Oui, il y a le 2, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je suis en train de le jouer parce que j'ai jamais joué le 1. Et comme j'ai vu qu'il y aura le 2, donc j'ai décidé de jouer le 1, comme ça je vais le terminer. Parce que ça, c'est le remasterisé, donc ça date normalement. Comme vous le savez, fidèles auditeurs, je travaille la nuit, mais je ne suis pas le seul. Messieurs Mulligan et Thornton, les adjoints du shérif, ont pris un moment pour me rejoindre dans le studio ce soir. Alors, messieurs, vous êtes occupés. C'est bientôt la fête du cerf et j'imagine que ça fait du travail. Rien à faire, mais...
Ah oui, y a pas trop de différence. Après voilà, donc je vois pas que la qualité des images n'est pas vraiment ouf. Hein, mais... ah, ils ont dit qu'ils auront masterisé, hein, je sais pas, moi je me souviens pas de le premier. Hein. Le bâtiment qui devait être la maison des je me souviens pas vraiment de l'avoir joué. Je n'étais plus très loin maintenant. Peu m'importait de devoir faire confiance au radotage de deux détraqués séniles. Ils avaient le matos. Non. Non, je l'ai pas essayé, mais je pense, ouais, j'ai entendu parler qu'en quoi il sort aujourd'hui ou pendant 3 jours, je sais pas quoi. C'est un truc de Ubisoft, c'est un truc de à la Call of Duty en ligne, je sais pas quoi, ouais. Mais je l'ai pas essayé. Je sais pas, normalement aujourd'hui ils vont bien. Après voilà, moi je l'ai pas essayé, donc ça me branche pas vraiment. Hein. C'est Ubisoft ou normalement. Merde. Mort pas ça. Ah ouais, c'est moi. Bah écoute, moi je l'ai pas essayé. J'ai un ami qui joue trop ces jeux-là. Bon, j'attends s'il me propose de jouer, je vais jouer avec lui, sinon moi je vais pas l'essayer. Après, je pense que c'est pour 3 jours, ils vont l'essayer, c'est ça? Sera plus, moi je vais pas l'acheter, hein. Moi je vais rien.
Ah ouais, tu meurs en deux secondes. Délicieux celui-là encore là. Ce truc que tu m'as dit là, c'est un truc de Call of Duty, c'est ça? X-Défiant là. Il s'appelle comment? X-Défiant là. Ouais, c'est moi, on ouvre la porte. Je vais chercher la clé pour ouvrir la porte. Oh, je cherche une clé. Clé pour libérer Barry. Hey, pourquoi tu traînes? Il y a de la poussière partout ici. Tu sais que je suis allergique. Ta gueule là. Ah oui, ils vont te remettre à zéro. Oh. Bah ça sert à rien de jouer alors, si tu... ça c'est une bêta après voilà. Ah oui, ça sert à rien de jouer, moi je vais même pas l'essayer. Après moi je te dis si ce sera pion, moi je vais pas l'acheter vraiment. Hein. Et tu préviens que je se lance. Ah, c'était facile pour cette clé là de la chercher. Allez, casse-toi d'ici Barry. On y va, mec. Ah, on y va, ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Attends, j'arrive. Eh, hey, ça doit être la ferme. On y est presque. Cette ferme est un véritable asile de fous! Alors on devrait être à l'aise. Allez, plus qu'une porte! Ouch! On devrait vérifier les fusibles. On dirait que quelqu'un habite ici. On voyait que les Anderson étaient chez les fous. Ah oui, c'est vrai. S'il a tel niveau aussi quand vite fait, après tu lui dis, c'est vrai, t'as raison. Hein. Après tu vas lui remettre à sa place, tu lui dis, ah, de toute façon, hein, quand il y aura le jeu, on va redevenir à zéro. Hein. Ça sert à rien d'atteindre le niveau 50 ou 100, hein. Ça sert à rien, puisque ça va revenir à zéro.
sûr. On doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Dame à la lumière ? Eh, mais c'est machine ! Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vue en ville ! Cynthia Weaver. Ouais ! C'est ça ! Et alors ? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Hé, hey, Al, il fera pas jour avant 10h. Ah oui, tu peux les suivre. T'as raison, mais sérieux, après enfin, ça sert à rien. Je peux dire, se saouler. On s'en barille. Jouer à fond, voilà. Ouais. Pourquoi ? Moi, ce jeu-là, ça m'intéresse pas. J'ai entendu parler de lui, mais... Moi, je préfère des modes d'histoire comme ça. Désolé. Jouer en ligne, c'est pas mon truc, non, vraiment. Non, bien à part faire des modes d'histoire comme ça sur Alan Wake ou voilà. Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau ? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schlocks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. J'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice. Jagger. Ah oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie, alors. Bah, j'ai vu qu'il parle de Stephen King. J'avais cru que c'était un... Ils ont piqué l'histoire à un roman de Stephen King. J'avais été une proie facile. Regardez le chalet. Mais ça va, il est pas mal, ce jeu-là, hein. Donc j'ai jamais essayé, je connais cette histoire, mais j'ai jamais essayé. Mais je trouve qu'il est... À part ça parle trop aussi, hein, mais il y a un peu d'action, mais ça parle trop. Voilà, c'est comme un... tu regardes une série, là. L'ombre chaque fois que tu as un épisode à jouer... Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette.
Après, c'est un studio finlandais qui l'a fait, donc c'est pour ça. Je pense que t'as raison, oui, c'est vrai. Ils se sont basés de ça, ouais. Vous pouvez vous excuser. Alice ! Vous rirez de tout ça ensemble, et vous oublierez bien vite. Alice ! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir crue. Non, elle est morte. Noyée. Non, non, non ! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. C'est pas ma faute. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière, et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Oui. J'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse, pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Ah ! Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Ok, good. Allez, à tout à l'heure. Moi aussi, je vais partir. J'attends juste que cette partie se termine. Je vais manger aussi. Allez, à tout à l'heure. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. Barbara. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. There's an altar road with mystery upon the poet and his meaning.